du jamais vu. La situation est inusitée, du jamais vu. L'épreuve que nous traversons collectivement et qui tient toute la planète en haleine et en otage met à rude épreuve notre santé physique, mentale, spirituelle, sociale et financière. Notre santé spirituelle est celle qui transcende toutes les autres. Il faut prendre soin de nous. Il nous faut aussi prendre soin les uns des autres. Faisons preuve de vigilance. Ne laissons pas la peur, l'inquiétude, l'anxiété, l'ennui, la morosité, le défaitisme avoir le dernier mot. Ne perdons jamais, à l'avenir, le goût et le désir de nous retrouver, de nous rassembler, de socialiser. Soyons des hommes et des femmes d'espérance pour notre grande et belle famille humaine. Le monde est en feu. Afin de consoler d'éventuels cœurs attristés par la situation de notre humanité et de l'Église, il me plaît de citer une femme exceptionnelle, docteur de l'Église, qui marqua son époque, Sainte Thérèse d'Avila. Il y a 5 siècles, elle disait à ses sœurs du Carmel, « Le monde est en feu. » Et on veut, pour ainsi dire, condamner à nouveau le Christ. On dresse contre lui 1000 faux témoignages. On veut détruire son Église. Les temps ne sont pas à traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. D'une certaine manière, je me sens rassurée. Le monde est depuis des siècles encore et toujours en feu. Ancrons notre espérance. Portons ensemble un regard, à la fois lucide, réaliste et plein d'espérance, sur l'état de notre Église et du monde d'aujourd'hui, pour pouvoir y ancrer cette espérance qui nous habite. En iconographie, l'espérance est souvent symbolisée par une ancre. C'est l'espérance dans la résurrection, dans la vie éternelle, qui nous assure que nous ne serons pas emportés ou perdus en vain. L'espérance est comme une ancre dans notre âme. Cela vaut autant pour chacun et chacune de nous comme personne que pour le nous que nous formons comme peuple de Dieu en marche au cœur du monde. Les 3 vertus de foi, d'espérance et de charité, à la fois mystiques et pratiques, ont fondamentalement quelque chose de joyeux et d'exubérant, un petit quelque chose de déraisonnable. La charité signifie pardonner ce qui est impardonnable, ou alors ce n'est pas une vertu du tout. L'espérance signifie espérer quand les choses sont sans espoir, ou ce n'est pas une vertu du tout. Et la foi signifie croire l'incroyable, sinon elle n'est pas une vertu du tout.
Un jour, Jésus envoya les apôtres porter la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est à nous maintenant que Jésus confie cette mission. Le semeur est sorti pour semer. Où sème-t-il? Si ce n'est sur tout type de sol où il y a des roches, des mauvaises herbes, des ronces, des petits cailloux, de la bonne terre. Le monde actuel est un vaste champ qui doit être défriché. Tout comme il y a des siècles, les moines défrichaient les forêts pour construire leur monastère. Ainsi en est-il de notre humanité, un grand champ à cultiver et à moissonner.